La période dite pause café a été mise à profit par le chef de l'État Libongo Ondimba pour discuter avec ses pairs des questions de développement tous azimuts. Nous voulons voir comment les choses progressent. Nous sommes dans la construction de l'Afrique. Avec le chef de l'État sénégalais, le président de la République a passé en revue les questions brûlantes de l'heure. Abdoulaye Wade en a profité pour solliciter officiellement qui plus est le soutien de notre pays pour le maintien du Sénégal au poste de directeur général de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le mandat de Jacques Diouf, encore en fonction, arrive à expiration dans quelques mois. Plusieurs prétendants se déclarent déjà. C'est le cas du Brésil qui se propose de présenter un candidat. L'audience du siège de la Commission de l'Union africaine a permis au président Abdoulaye Wade de fustiger l'acte posé par un des opposants dans notre pays, avant d'assurer le chef de l'État Libongo Ondimba de son soutien pour ses actions pertinentes en faveur des changements opérés au Gabon.